Hey, salut. Bon, alors on va mettre cet engin de torture parce que je vois un peu mieux quand même avec. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il faut que je mette mes lunettes. Sinon, je vois rien dedans. Ce qui est un peu paradoxal. Ça au bon endroit. Voilà. Ok, alors sur quoi je vais bosser? Peut-être sur. Attends, je vais mettre. Sur la côte de maille, ça serait bien. Encore faudrait-il que je voie quelque chose. Alors. Oh putain! Ah j'adore! J'adore! Ouais, c'est bien les loupes. Hein. Ça va laisser une trace, évidemment. Non, c'était pas ce pinceau-là, c'était l'autre.
Hey Lestos, hello. Je me demande pourquoi je mets la cam de ma tronche aujourd'hui, ça sert à rien. Vous verrez rien du tout. Ouais, tu vas gueuler, ma palette est dégueulasse. En fait, la palette est à l'image du peintre, j'ai l'impression. Dégueulasse, complètement désordonnée. Oh, j'essaye plein de trucs avec celle-là. Merde. Oh putain. Je fais que des conneries depuis tout à l'heure. Une organisation de palettes inventives, oui, c'est bien comme mot, inventive. Moi, on est plutôt sur du bordélique. À la mode orque, quoi. Putain, j'ai pas grand-chose à mettre sous la dent sur cette côte de maille, là. Putain.
pas possible cette peinture. Soit trop épais, soit trop liquide. Faut. J'arrive sur la figurine, j'ai plus rien. Oh, j'avais réussi à faire un C à l'envers et puis je l'ai. En fait, ça commence à me gaver la côte de maille. De maïzena. Non mais ma peinture est trop liquide parce que j'ai mis trop d'eau dedans, mais la peinture en elle-même ça va. J'essaye de pas être trop pâteux justement, donc je mets de l'eau, mais du coup des fois je mets trop d'eau. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'arrive à faire des trucs sympas et après j'arrive et je mets une grosse bavouse dessus et je gâche tout ce que je viens de faire. C'est exactement ce que je viens de faire avec ces petites boucles de ceinture là. J'ai tout ce que j'ai mis en place l'autre jour, j'ai tout beurré dessus là. Allez, va te faire foutre. Je vais faire autre chose. C'est censé me détendre, hein. Bon. Non, je crois que le problème, c'est que j'essaye de faire de la peinture avec des trucs de la semaine dernière et l'autre, il va faire... Ah bah évidemment, putain, prends de palette. Allez, dégage toi, ça m'énerve. Alors donc, là je voudrais faire quoi? Je voudrais faire du marron.
Ouais, je confirme. Donc on est sur du mid-tone, on va mettre au milieu. Ok, on va mettre celui-là un peu plus sur la droite. Histoire d'avoir un bon départ. On va tout recouvrir pour l'instant. Que...
C'est clair que maintenant que j'ai ce bordel sur les yeux, je me dis c'est quand même nettement plus confortable de bosser les détails avec ça que à l'œil nu quoi. Je comprends un peu mieux comment on peut réussir à faire une pupille, un point de lumière dans la pupille, dans une figurine, dans un gobelin HeroQuest quoi. J'ai vu ça l'autre jour, j'étais un peu énervé. Et ça m'énerve. Ça m'énerve ce que les gens arrivent à faire. Puis après je me dis, bon allez, t'as un objectif maintenant. Un objectif et quelques années pour les rattraper. Mais c'est vrai que dans le temps, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je dis dans le temps, mais ça m'aurait même pas venu à l'esprit de passer deux plombes à faire des pompes quoi. Pour moi les pompes c'était pas important. En fait ouais, tu réalises que chaque moindre détail a son importance et il faut passer du temps dessus si tu veux que le tout ait l'air... Et l'air propre. Après, c'est sûr que si tu me demandes la pompe de droite ou la pompe de gauche, bah forcément je préfère celle-là. Ouais, c'est ça. Faut bosser la pratique, ouais, c'est ce que je fais de joli. Avec plus ou moins d'agacement parfois, mais. Mais il suffit de faire un truc un petit peu plus facile comme les chaussures là et puis après c'est bon. Puis avoir de la peinture fraîche et ça aide un peu, c'est vrai. Et là, il y a la petite voix dans ma tête qui me dit non, mais Alan, la peinture fraîche, c'est la base, hein, déjà. Donc, si déjà tu démarres de la peinture pas fraîche, c'est mal barré.
Voilà. Alors, ce qui est bien avec les lunettes, c'est que je le vois tout de suite quand j'ai une grosse bouse au bout de mon pinceau. Faire le point. Parce que là, c'est un peu flou cette histoire. Là, c'est mieux. Ok, un peu flashy ce rouge quand même, je trouve. Allez, on va faire la ceinture pareil en marron, ce sera bien. Voilà, j'étais un peu fort, trop vite là.
Allez les yeux, gardez le point s'il vous plaît, merci, j'ai besoin du point. Pourquoi là vous voulez pas? Non, ils veulent pas. Pourquoi des fois ils veulent garder le point et pas d'autres fois? Si vous jouez pas le jeu, je peux pas le peindre. Hein. Avec un œil, ça va pas le faire. Non, ils veulent pas. Oh bah tant pis. On va faire autre chose. Oh putain, ça m'énerve. Oh là 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 là. Sur ma palette. Bon, t'as vu, je respecte les teintes, hein.
crois que j'ai une palette de marron un peu plus importante là, parce que j'ai pas grand chose en marron. J'ai rien du tout même. Rien du tout. Celui-là, mais dégueulasse. Je vais me commander un assortiment de marron. C'est pas évident de trouver juste du marron, tu sais, genre. Parce que là, j'avais demandé Earth Color, mais. Non, c'est pas la couleur que je voulais mettre. C'est maintenant que j'ai les lunettes sur le nez que je me dis, putain, qu'est-ce que c'est crado ce que j'ai fait sur la peau. Ça, c'est un. Ça change tout ces lunettes là en fait. T'as l'impression de bosser une figurine beaucoup plus grande.
Ok, ensuite. Donc là, on est plutôt par là. Qu'est-ce que là? Je vois rien que cette putain de lunette. Trilox. Trilox 83. Thank you, merci. Bienvenue à toi. Welcome, welcome. Attends, hey salut, je découvre le monde des figurines peinture, etc. car je me suis acheté Zombicide. Je n'ai plus qu'à peindre mes figurines, j'ai commandé la peinture et du matos vite fait. Je suis amateur, je trouve ça super en tout cas comme lobby. Ouais, ouais. Comme hobby. Plutôt comme hobby, non? Parce que bon, après c'est peut-être un lobby, hein, j'en sais rien, mais... Bah écoute, moi je peins le jeudi justement pour me perfectionner parce que oui, je trouve que c'était un peu limite ce que je faisais. Disons qu'on dépassait pas le stade du... Je dépassais pas le stade du brossage à sec et la vie quoi. Speed painting et enfin tous ces trucs. Et puis ça me dit plus rien du tout maintenant, je veux peindre pour de la vraie, ce qui est pas évident. Donc je travaille, je crise un peu parfois parce que ça marche pas comme j'ai envie. Beau. Ah bah écoute, tant mieux. Alors là, moi, mon but, c'est donc du coup que ma peinture devienne plus propre. Mais c'est surtout de réussir à faire du NMM. Donc, je sais pas si toi qui débarques en peinture, tu sais ce que c'est NMM.
C'est d'un nom métallique, métal en fait. En gros, tu peins ton métal sans couleur métallisée. Donc ça peut être assez casse-couille. Tu vois, par exemple, j'ai commencé la lame et pour l'instant ça marche pas. Donc je vais aller voir une lame, une vraie lame peut-être, ou quelque chose comme ça pour copier un petit peu l'effet. Et la côte de maille, pareil, il va falloir que je travaille dessus. C'est ça, exactement, exactement. Et donc, ben, je commence un petit peu à toucher du doigt le truc. Tu vois, par exemple, j'ai cette figurine-là que j'ai peint la semaine dernière. La lame est pas trop, trop dégueulasse. Et le doré qu'il a sur le torse, ça commence un petit peu à venir. Voilà, c'est pas encore ça. Mais on commence un petit peu à avoir l'effet... l'effet désiré. Donc, alors moi, il y a un truc que j'aime pas trop trop, c'est quand c'est trop contrasté entre les muscles. J'aime bien que ça reste quand même naturel. Donc c'est pour ça que là, c'est un petit peu limite, par exemple. Mais voilà. Là, l'idée, c'est quand même de peindre des choses qui n'existent pas sur la figurine, des muscles qui ne sont pas là. Donc, mais tu vois, si déjà on compare ce que je suis en train de faire avec cet orque et ce que j'ai fait l'année dernière, par exemple, l'année dernière, ou il y a 2 ans, quand j'ai repris la peinture, on commence à avoir quelques différences. Déjà, apparemment, je vernissais en satiné. Bravo. Ouais. On commence un petit peu à voir... Donc, voilà. Je travaille. J'ai des gens comme les Thaos qui est là pour m'engueuler et me dire ce qu'il faut faire et pas faire. C'est bien. Ça me permet de progresser. Des progrès à faire sur ma palette humide qui est dégueulasse en général. Là, bon, j'en ai recommencé une autre, mais ça commence déjà à se toucher. Entre un rendu mat ou un satiné, j'imagine, et l'effet vernis se fait en toute fin. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, une fois que tu as fini ta figurine, tu fixes la peinture, tu la protèges avec du vernis. Le vernis mat, c'est ce qu'il y a de mieux quand même pour les figurines. Après, c'est une histoire de goût, mais en général, ouais, ça dépend ce que tu peins. Moi, par exemple, je pense par exemple aux tyrannides, qui est une race de Warhammer 40 000. C'est des lézards, enfin des espèces d'aliens. C'est très 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 pompé sur le film Alien. Bah là, pour le coup, ouais, pourquoi pas les peindre en... voire même les vernières avec de l'argent, du brillant carrément. J'aurais un peu moins de mal à les imaginer avec du vernis brillant, ceux-là. Je pense qu'au contraire, ça apporterait quelque chose. Je crois que c'est un peu too much, là. Donc moi j'ai mes yeux qui veulent pas trop coopérer, donc aujourd'hui j'ai commencé à sortir les lunettes loupes là, ce qui change tout. Mais j'ai quand même des endroits où ben, les yeux continuent à faire chier. Toi, mes yeux pour l'instant sont inexistants. Donc j'ai encore du boulot. Tu as déjà fait du zombicide? Non. Je suis pas, en fait, j'ai pas trop le temps et parce que j'ai pas des enfants qui jouent beaucoup à des jeux de société. Et j'ai pas trop le temps de société. Je sais que j'ai un club à carré qui joue. Aïe, pardon. Et ouais, la plupart du temps, je travaille, donc je dessine, je peins.
C'est un peu mon métier à plein temps, donc dès que j'ai du temps, c'est pour travailler. Donc du coup, j'ai pas trop le temps de jouer, mais j'en entends parler pas mal, hein. Plus de couleurs. Bah après, dans Zombicide, il y a zombies, donc est-ce qu'il y a besoin de couleurs plus que ça? Je sais pas. Je connais pas trop, donc mais si c'est pour peindre des zombies. Ok, je pense que la peau va avoir besoin de d'être travaillée plus proprement. Bon, puis tout à l'heure, je fais une grosse tache là, donc je pense que je vais revenir dessus pour la nettoyer. Ok, bon, je vais ressortir mon rouge. Ah, je pars un peu dans tous les sens là. Qu'est-ce que t'as commandé comme peinture du coup pour... T'es parti sur quoi? Ma première commande pour l'instant, j'ai pris The Army Painter Speed Paint Mega 7. Ok, ah ouais, t'es parti en Mega 7 là. Putain, mais il coûte un bras celui-là, non? T'as mis les moyens. Je connais pas trop le principe du Speed Paint. C'est celui-là où tu fais une sous-couche. Une sous-couche blanche et après tu fais glisser ta peinture dedans, c'est ça? En badigeonnant un peu. €60, oh ça va. Il y a combien de pots là-dedans? Je pense que je vais essayer des motifs là-dessus. Ça pourrait être rigolo puisque chaque figurine que je peins en fait puisque l'idée n'est pas vraiment de peindre toute ma boîte de HeroQuest, même si c'est un peu le second effet qui sera sympathique, l'effet secondaire qui sera sympa, l'idée c'est quand même de tenter des trucs, donc je tente très bien du main libre sur cette tunique. €24 pour €60. J'ai pris aussi pour la sous-couche de même marque, blanc mat. Ah ben écoute, pour ce qui est de la sous-couche, ouais, je l'ai pas là évidemment, parce qu'elle est toujours là où j'en ai pas. Elle est jamais là où j'en ai besoin. Mais ouais, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris gris moi parce que je préfère le gris. Ça me permet d'être un peu entre les deux, parce que c'est vrai que ben sous-couche et blanc, quand t'as un personnage assez foncé, c'est un peu contre-productif. Mais se coucher noir quand ton personnage est assez clair, c'est contre-productif aussi. Puis acheter deux bombes de peinture, enfin deux bombes de primer, bof. Donc moi je suis parti sur le gris. J'aime bien démarrer du gris. Et pour les orques, c'est vrai que démarrer du noir, ça aurait plus de sens par exemple.
l'avantage, c'est quand même que du coup, tu passes une première couche qui va foncer à cause du noir derrière. Et du coup, bah, tu as déjà une première teinte foncée que tu peux déjà utiliser en tant que telle, comme dirait Perceval. Comme tu peux le voir, la technique que moi j'ai envie d'apprendre et d'utiliser, on est plutôt sur une technique de peinture où tu peins comme un tableau en fait. Donc c'est toi qui peins les ombres, c'est toi qui peins les lumières. Ce qui permet de pouvoir faire des choses intéressantes même sur des figurines qui sont pas ouf. D'où l'intérêt de que je ressorte mes figurines HeroQuest. Que je n'avais pas encore peinte pour vraiment aller jusqu'au bout de l'exercice, parce que là on a des figurines qui manquent cruellement de détails au niveau sculpture, et justement ça permet de peindre ces détails qui manquent parfois et donner des bons effets. Et la théorie en fait, c'est que après, quand je vais passer à des figurines plus détaillées, comme par exemple celle-ci, qui n'est pas le même format. Là, pour le coup, ça se voit bien, mais ça, c'est une figurine de mon armée. Du coup, que j'avais commencé à peindre il y a quelques temps, mais j'ai arrêté parce que je fais mes figurines HeroQuest. Ben, du coup, j'aurai un petit peu plus de facilité. Tu vois. Donc, c'est censé t'inspirer, tu vois, les deux sont censés s'inspirer, enfin, celle-ci s'inspire de celle-ci. Mais bon, en 35 mm quoi. En pinceau, j'ai pris. Putain la vache, combien il y a de 0 là? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, alors tu sauras que c'est pas forcément le nombre de zéros qui est important. Hein. C'est la pointe. Parce que là, tu vois, moi, le plus petit que j'ai, c'est un 0. Et si t'as une bonne pointe, tu vas pouvoir vraiment aller partout où t'as besoin. Hein. Ok. Ah oui, je disais que j'aurais bien aimé faire des motifs sur ce. Sur cette tunique. Qu'est-ce que je vais faire comme motif aussi? C'est ça la question. Pris une poignée aussi. Ouais. Alors ça, j'avais acheté une poignée. Et puis tu vois, bizarrement, je suis revenu au pot avec le truc parce que, bah, comme la poignée pince comme ça mon socle, bah, quand j'arrive à peindre le socle, je suis emmerdé. Donc, du coup, la bonne vieille méthode reste, pour moi en tout cas, la plus pratique. Bon, après, c'est mon gamin qui commence tout juste à peindre, qui se retrouve avec la poignée de Citadelle, il est content. C'est une connerie hein, en partant là-dessus, moi. Il y a des endroits, je sais pas trop comment je vais. Ah non, les yeux. J'ai besoin de vous là.
C'est toujours mes yeux qui me lâchent au moment où j'en ai besoin. Maintenant que je suis parti à faire ça, faut que j'aille jusqu'au bout. Après, les deux font le taf, de toute façon, j'ai pris ça juste me dire, prendre le pack et tout, autant tout prendre, ouais c'est sûr. Galérer et avoir un rendu propre, pas forcément top, mais au moins propre. Ben là, tu vois, c'est ce que je suis en train d'apprendre, c'est que ça va être la pratique malheureusement. Il n'y a pas d'autre, t'as beau avoir quelques années de dessin et de connaître la théorie des couleurs, de la peinture, de machin truc, malheureusement ça réagit pas de la même façon sur une figurine, donc ça va être la pratique. Pratique. Plus tu vas te donner du temps à pratiquer, plus tu vas évoluer dans l'art de faire quelque chose de propre dans un premier temps, ce qui est déjà pas mal. Et puis dans un deuxième temps, commencer à faire des effets sympas. Des effets de lumière aussi, ça c'est un truc que je suis en train de travailler. C'est assez chaud aussi. Ah bordel! Ah bah là on a des gros traits bien dégueulasses, c'est bien Alan. Rien à voir avec ce que t'as fait avant. Ouais, j'ai pas pris la figurine dans le bon sens, j'étais pas à l'aise. Et j'ai appuyé comme un gros con. Pas facile tous les jours d'être un orc. Et là c'est bien crado. Bon, alors il va falloir que j'en mette du rouge. Je ferai ça après. On va faire quoi là-dedans? Des cubes? Enfin, un damier? Des fois, je décide de faire un truc, puis après, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Parce que là, c'est le meilleur moyen de partir sur un truc catastrophique. T'avais une petite tunique rouge propre et tout, mais tu viens de mettre un truc dégueulasse dessus. Ça apporte quelque chose, j'imagine. Ouais.
Wow, wow, wow. Ok, je reviendrai avec le rouge. Oh putain, la vache. Ouais, après ça dépend de ton standard, quoi. C'est quoi le goal? Qu'est-ce que tu cherches comme, comme achievement? Alors pour bien faire, il faudrait que ça revienne là-haut, quoi. C'est ça. Faut que j'apprenne à jouer à Zombicide, mort de rire. Mais en ouvrant la boîte, j'ai vu que les figurines n'étaient pas peintes du tout. Du coup, pardon, je me suis chauffé. Je me suis dit, allez, je m'y mets et après j'apprendrai à y jouer. Car ça m'a dégoûté de voir les figurines toutes grises. Pas agréable à jouer avec, quoi. C'est nul. Puis après, je surkiffe le principe du coup et je découvre tout ça comme je suis curieux de tout. Ben, je me chauffe vite sur les trucs. Ouais. Ben après, c'est vrai que quand tu aimes bien des figurines, des belles figurines, c'est un petit peu frustrant effectivement de les voir noires, enfin de les voir grises. Après, je pense que tu peux quand même. Je peux quand même jouer au jeu sans qu'elle soit peinte. T'as regardé un peu les règles ou pas du tout? Tu pourrais me dire à peu près c'est quoi le principe du jeu? J'ai vu vite fait des vidéos dessus, le principe m'avait bien plu, mais je ne me suis pas penché dessus 100%, donc je ne peux vraiment t'en dire plus. Faut ouvrir les portes, ouvrir des coffres tout en tuant des zombies, j'ai des objectifs différents, des missions pour finir à bien la partie, les persos ont des compétences et des armes différentes, etc. Ok. Et donc il y a de la chouette figurine de perso et de zombies, j'imagine, alors.
On dirait un dungeon crawling des temps modernes. Que là, les figurines que je suis en train de peindre, c'est des figurines des années 90 de HeroQuest, l'original, pas la version rééditée. Alors, est-ce que mon petit damier apporte quelque chose? Les figurines aussi, les persos sont modernes et les zombies bien cadraux et intéressants. Crado, pardon. Ceux qui courent, ceux qui explosent, ceux qui zonent, etc. Oh, ça donne envie, effectivement. Ça donne envie. Ah non, hein. Combien de figurines dans cette boîte, du coup? Perso 60. Ah ouais, quand même. Après, j'ai plus de facilité à rentrer dans le thème moderne que le thème médiéval. À la waouh, j'ai plus de mal. Du coup, j'ai trouvé ce jeu là top pour moi. Ah non, mais oui, ça a l'air canon. Hein. T'as payé ça combien? Ou alors, c'est un cadeau peut-être. Ah pardon. Qu'est-ce que je peux être con des fois? €100. Ah oui quand même. Je te dis, pas facile tous les jours d'être un orque.
Alors, on va essayer de réparer les conneries de tout à l'heure. Ou alors d'en faire des plus grosses. On va voir. Ok. Bon, il faudrait que... Attends. Même si le thème à la World of Warcraft est aussi intéressant et magnifique à regarder, mais les films comme Le Seigneur des Anneaux, les jeux, etc., ce thème ne m'ont jamais vraiment intéressé à fond, du coup je ne suis pas trop dedans. Mais là, jouer quand même Andor, un jeu de plateau, qui pour le coup est médiéval aussi, par contre, il était top, donc bon. Bah je comprends, je comprends. Tu sais que des fois, bah toi par exemple, moi si je dois choisir entre Warhammer 40 000 et Warhammer Fantasy, quoi, moi j'ai toujours été Fantasy. J'ai jamais trop accroché le 40 000. Et bah, j'ai un fils qui est comme toi, il est pas trop médiéval, il aime pas trop ça. Et il n'aime pas trop ça, par contre ben, il voulait peindre de la figurine quand même. Donc on a été voir dans ma boîte hein, si j'avais un truc que je pouvais lui faire peindre, hein, parce qu'il a 10 ans. Et ben, il a flashé là-dessus. Il a flashé sur un Space Marine. Ah, trop cool et tout. Donc ben, il est en train de peindre le Space Marine. Mais... Mais le médiéval, ça n'intéresse pas du tout, il n'aime pas. Et ça se trouve, ouais, Zombicide, c'est un truc qui pourrait parler à tout le monde, du coup. Alors. Pourquoi j'ai commencé à mettre du verre sur ma palette? Je ne me rappelle plus maintenant. Ah oui, il y a quand même des zones un peu dégueu que je voulais repeindre. Parce que j'ai commencé à le peindre sans les lunettes. Maintenant que j'ai les lunettes, je fais wow wow wow. Un problème que tu auras pas trop avec ton speed painting là, c'est que faut pas essayer d'éviter de peindre trop épais. C'est un peu le problème que j'avais au début. Il y a même un zombicide western. Ah oui, chouette.
Bah, de toute façon, oui, il faut juste trouver son univers, parce que si le principe du jeu t'aimes bien, mais que c'est juste l'univers que t'aimes pas, c'est dommage de pas pouvoir en profiter, quoi. Ouais, l'autre jour, on est en train de parler justement de HeroQuest. On est en train de faire une partie avec mon fils, enfin mon autre fils, Aaron, qui va avoir 13 ans. Et parce que lui, il aime bien comme moi le médiéval fantastique. Et on se disait, parce qu'Aaron voulait pas, Alduin, le petit, voulait pas jouer du tout, parce que justement, c'est médiéval fantastique. Alors je lui disais, c'est con, ce serait ça du. Genre une chasse au. Une chasse aux fantômes dans un manoir hanté d'aujourd'hui, je suis sûr que tu jouerais. Ah ouais, ça existe ce jeu? Dans ma tête, je me suis dit putain, mais. Ok, bon ben. Il va falloir inventer un nouveau jeu là. Enfin, pas inventer un nouveau jeu, mais avoir le même jeu, mais avec un autre visuel quoi. J'ai pris, la peinture était pas très. Bah oui, parce que c'est fait exprès en fait. C'est une peinture spéciale que t'as pris. C'est assez liquide. Parce que justement, l'intérêt c'est que. En fait. Ça couvre pas des masses. Tu sous-couches en blanc. Et tu passes ta peinture un peu liquide dessus. Et donc elle va s'écouler un peu partout. Dans les creux, etc. C'est juste que dans les creux, comme il va y avoir plus de peinture qui s'accumule, ça va être plus foncé que sur les bosses, hein, qui seront plus clairs. Donc t'as un espèce de dégradé instantané qui va se former, quoi. C'est un peu le principe de cette peinture-là, quoi. Ce qui est pas du tout le même principe que ce que je suis en train de faire, par exemple. Ouais, enfin bon, là je fais des conneries, tu me diras, mais. Voilà, tu vas utiliser un produit que je connais pas du tout, donc c'est pas moi qui vais pouvoir t'indiquer la route à prendre. L'Espao aurait été encore là, peut-être qu'il aurait pu t'en parler, mais. De faire quand même quelque chose avec mes yeux. Hein. Ben, tu verras bien.
J'ai envie de dire, tu verras bien. Je me rends compte que je peins des trucs que vous voyez même pas. Alors, je vais charger en pigment, bien mélanger le pot et pas diluer. Je vais vider le pot en deux figurines, je le sens. En tout cas, tu gères bravo, j'adore les effets d'ombre, ça donne du relief, c'est cohérent. Ben, c'est ce que j'essaye de faire, merci. Mais ouais, c'est vrai que... Du coup, j'ai quoi, un petit... Combien on va dire? Allez, je passe 4 heures par semaine. Ouais. C'est ça, 4 heures par semaine. Je consacre à ça. De temps en temps, quand j'ai envie de me détendre, j'en fais un petit peu aussi. Bon, pour l'instant, je suis sur de la petite figurine, quoi. Petit projet abordable. Je ne peins pas de la grosse figurine pour l'instant. Ça va être trop fort. Lui faire à l'intérieur de ses oreilles. J'aimerais bien casser un peu ce verre avec d'autres couleurs. Je dois te laisser, je m'occupe de ma fille. Ben vas-y, vas-y. La priorité, hein. Il y a des priorités dans la vie. Hein. Je repasserai à l'occasion. Salut, salut. Ben le reste du temps, je dessine moi plutôt. Hein. Je peins de la figurine le jeudi, mais le reste du temps, je dessine. Mais avec plaisir. Reviens quand tu veux.
Pourquoi j'arrive pas de ce côté?
de toute façon, je vais la rouiller. Pas trop la peine que ça pète. Pas mal ça. J'aime bien moi. Merde, j'ai dépassé l'heure, je vais faire à manger. Ok, bon, ben on verra ça, on verra la suite cet après-midi, suite et fin j'imagine, on va refaire la même chose derrière l'été, le sol et puis on passe sur une autre créature. Hein. Il est pas mal là, hein. Ça m'a l'air propre. Ok.
Alors. On va enlever tout ce bazar. Ça fait du bien. Alright then. On va aller regarder qui c'est qui est en train de streamer en ce moment. Alors, on a qui ? On en voit rien comme d'habitude, on a chapeau. Mada Ojo. Dans le crâne, la leçon que voici. Quelle que soit la situation, pour idées, la solution. En tout cas, merci, merci d'être passé ce matin. Merci Philox pour ton follow. C'est cool, enchanté. Moi, je vous retrouve cet après-midi pour prendre la suite de cette orque. Et puis voilà, donc bon appétit et à très vite, salut.